La première fois que je viens en Taïwan, ben, ça a l'air vraiment bien, la température est belle. J'ai pas eu le temps de visiter encore beaucoup, là, on est arrivé il y a à peine quelques heures, mais j'ai hâte de voir, là, on n'a pas vu encore les installations de la piscine, tout ça, alors j'ai vraiment hâte de voir. J'ai déjà participé aux Universiades en 2013, j'avais gagné la médaille d'or, alors c'est sûr que mon objectif, ça serait de refaire un podium. J'ai aussi, je détiens toujours le record universitaire. Le record mondial universitaire, alors ça serait, c'est sûr que c'est mon objectif. Sinon, ben, cette année, j'ai eu une grosse année. En fait, j'arrive des championnats du monde qui avaient lieu à Budapest. Alors, j'ai eu vraiment une grosse été cette année. On a une bonne équipe. Je pense que surtout dans les relais, on a vraiment beaucoup de chances de médailles. Alors, c'est ce qui est le plus excitant. Il y a beaucoup de. En fait, je connais pas beaucoup les membres de l'équipe encore parce que c'est soit une équipe. Il y en a pas beaucoup qui viennent de l'équipe A, qui viennent des championnats du monde. Mais c'est intéressant parce qu'on va apprendre à connaître d'autres nageurs, des nageurs qui ont le potentiel de faire les équipes dans les futures années aussi. Alors, ça va être vraiment bien d'apprendre à se connaître puis à faire des nouvelles expériences. Puis en plus, ici, on représente non seulement le Canada, on représente notre université aussi. Alors, ben, je suis contente de pouvoir le faire. Puis ça fait 8 ans maintenant que je représente le Canada au niveau international. Alors, je suis vraiment choyée de pouvoir le faire.